Bon, alors pourquoi j'ai décidé de faire cette petite vidéo dédiée? Pourquoi j'ai pas fermé la porte avant mon beurre? Mais alors tout ça. Et bon, alors pourquoi les gars? Bon, les amis, et le nouveau vlog, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Vous savez, la vidéo commence, ça va sur liker, vous abonner à la chaîne. Et activez bien la cloche de notification parce que si vous voulez voir les prochaines vidéos, les prochains lives, et bah, moi, c'est lui que je fais sur Instagram, c'est des bugs. N'hésitez pas à le dire parce que moi, je connais sur Instagram, mais en Instagram, je pourrais le prévenir. Et bien, c'est sur Instagram, chez photo. Mais pas beaucoup de temps, donc, regardez, je fais pas beaucoup de stories, mais les gars, je pense qu'à la rentrée, on va prendre quelques stories, je vais voir un petit peu. Mais voilà, je fais pas beaucoup de stories, mais c'est vrai que c'est pas sur Instagram, parce que voilà, c'est des petites photos que vous voyez pas sur YouTube. Maintenant que je filme l'habit, les temps et tout, ben, ça vous voyez pas sur YouTube. Alors, c'est pas sur Instagram, mais photos, parce que des fois, il y a deux photos, ben, regardez pas votre temps. Déjà, une vidéo d'une minute à chaque truc, bah. N'hésitez pas à la regarder, bon, ça prend 10 minutes, ça fait comme un épisode sur Instagram, tout ce que c'est Instagram, voilà. Donc voilà. Mais un jour, si YouTube n'existe plus, je vais faire des stories, il y aura 5 minutes sur Instagram. Ça, c'est possible de les poster sur Instagram. Très très possible. Bon. Aujourd'hui, on est parti pour, parler des cadeaux de Noël. Oui, déjà Noël, on est actuellement. Alors, la vidéo sortira en milieu de rentrée, quand la rentrée sera commencée. Mais ça sortira en fin de semaine. Là, je vous la tourne la vidéo, on est le 2 novembre. Donc on est. À la fin des vacances, parce qu'on est de novembre, actuellement 17h40. Donc à l'heure actuelle, il est 17h40. Bah, c'est pendule, il est 7h20. Donc ça va être marqué sur la pendule. Mais pas 7h20, il est 6h20. Donc, la seconde, voilà. Donc, voilà, bon, les gars, je vais vous parler de quelque chose simplement. Que je vais un peu vous parler un petit peu avec vous. Déjà Noël, je vais m'acheter un egg gâteau. Qu'est-ce que c'est un egg gâteau? Alors, simplement, il y a un egg gâteau. Vous aura tous les liens dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à parler de Elgato Stream Deck. Ça, voilà, si vous connaissez, si vous avez vu sur YouTube, vous savez ce que c'est. C'est comme une sorte de petite tablette avec 15 touches. Mais regarde, toi, il y aura une vidéo dédiée parce que là, ça sera Noël. Donc voilà, c'est quoi les cadeaux de Noël aujourd'hui, c'est pas d'autres vidéos. Voilà. Donc vraiment, les gars, c'est un 15 touches parce que vous allez voir, vous avez un modèle de 6 touches, 15 touches et 32 touches. Mais bon, 32 touches, ça sert à rien. 15 touches, c'est Perfect Dark. Donc voilà, ça va être Perfect Dark. Pour une vidéo. Après, je pense qu'à Noël, il coûte 150€ quand même. Donc, bah, 139€, là, il est en promotion, je crois. Mais bah, au lieu qu'il soit à 150€, il est à 139. Mais franchement, les gars, c'est un petit peu vidéo, un peu bizarre. Voilà, un peu bizarre, un petit peu tout. Aussi, les gars, je pense que je vais acheter une autre manette Xbox. Une autre manette pour jouer. Parce que peut-être, je vais faire certains jeux qui vont être clavier souris, mais je vais le faire sur manette. Je vais acheter une autre manette Xbox. Ok, les gars, une autre manette Xbox filaire, je vais en prendre une autre parce que bon, je vais prendre une vidéo qui soit compatible avec Fortnite. Parce que c'est plus compatible que Fortnite, hein, je sais pas pourquoi. Enfin, peu importe parce que. Merci. Et puis voilà. Donc, voilà. Et puis, les gars, c'est plutôt sympa. Donc, j'ai vraiment une nouvelle manette pour jouer sur PC. Parce que, les gars, j'ai un volant, une manette bah, qui est à moitié morte. Donc, celle-là, je vais gagner en réparation. Peut-être qu'il y a certains jeux. Que je vais faire aussi, peut-être je vais faire essayer de faire quelques jeux dessus. Et voilà, mais bon, voilà. Du coup, je n'ouvrais pas la porte, je pensais que c'était ça. Troisième objet, c'est un casque gamer. Parce que, bien sûr, c'est pas un casque gamer. Bon, il fait comme une bonne qualité de son, mais enfin, vraiment, il a une meilleure qualité. Je vais essayer de vous montrer entre 30-40€. Je vais essayer de voir un petit peu. Et puis voilà. Donc, je vais faire un peu plaisir, un peu tout ça. Alors, prochaine. Bah, cadeau de Noël, ça va être d'acheter une nouvelle caméra parce que simplement celle-là a fait du 720p grand max. Vous voyez, cette vidéo cet été, on a fait mes salaires. Celle-là, ça sera juste pour les vidéos piscine, mais sinon, ça sera pour les vlogs, etc. L'autre caméra, j'ai acheté une 2K. Donc voilà, celle-là sera pas compatible avec ma perche parce que ma perche, finalement, de base, elle est faite pour les téléphones, elle n'est pas faite pour les caméras. Mais bon, elle est faite cette caméra-là parce qu'elle prend pas beaucoup de large, donc ça va. Donc, cette caméra est parfaite d'arc. Cette caméra-là, je vais servir juste pour faire les vlogs quand je vais partir. Bon, dans un étang, etc. Bon, putain, j'ai déboîté le truc, voilà, moi c'est bien. Bon, non, c'est parti, elle compatible avec les téléphones, mais je trouve qu'ils sont vachement larges, les téléphones maintenant. Donc, je les mets plus dedans, je mets juste ma petite caméra dedans. Et pour faire les vlogs, c'est vachement pratique. Avec la perche. Donc, la perche, les gars, je vais pas prendre une autre parce que voilà, c'est déjà pas mal de perche. Bon, je crois qu'elle doit compatible avec les téléphones, mais j'ai même pas envie de les mettre. C'est qu'elle est pas très large, un niveau très. Sauf que je prends une grande perche que je peux mettre vraiment les téléphones dedans, mais bon. Soit je la garde du tout et puis je la garde pour ma caméra. Je pense que d'ici quelques années, je vais être blessé de ma caméra ou. Mais voilà. Une caméra, qui, je vais essayer de coûter une caméra. Une 2K. Je vais voir si c'est une 2K. Une 2K 16, ça s'appelle. Une qualité 2K.
au lieu d'avoir une qualité 4K. Parce que 4K, ferme ta gueule. Merci bien, merci. Donc voilà, et franchement les gars, ça serait plutôt si d'acheter une nouvelle caméra, c'est vrai que celle-là fait pas une bonne qualité. Donc voilà, ça me dérange de pas avoir une bonne qualité de truc et tout. Ok les gars, prochain cadeau de Noël, Stream Deck casque, voilà. Aussi j'achèterai un nouveau tapis de souris, parce que déjà, c'est un tapis de souris, parce que si je fais sans tapis de souris, des moments, ça veut pas vraiment m'afficher, avec l'infrarouge des souris. Donc voilà. Donc avec l'infrarouge des souris et un petit peu tout ça. Donc franchement voilà, vraiment, et un grand tapis souris RGB. Donc des souris qui éclairent et tout. Et c'est franchement plutôt stylé. Ouais, je trouve que voilà, c'est plutôt stylé un petit peu et puis voilà. Ouais, voilà, donc vraiment les gars, si vous aimez ça les gars, prenez vraiment un... Alors ça coûte 20€. Je sais gars, ça coûte quand même 20€. Mais voilà. Et voilà. Et après il y a peut-être. Est-ce que les gars, j'ai envie de clavier, m'a dit un clavier à 20€. Bon alors, peut-être pourquoi pas je le prendrai. C'est vrai qu'il y a plus vraiment un peu plus d'options que ce clavier là que j'ai actuellement, mais voilà. Ok les gars, donc voilà, j'essaie de chiffrer un petit peu, j'essaie un peu les prix. Enfin, en même temps, il y aura un peu plus de 300€, mais voilà. Prochain cadeau de Noël, un adaptateur USB, parce que je trouve que j'ai un adaptateur USB. J'ai pu... Alors pourquoi j'achète un adaptateur USB? Alors parce que tout simplement, j'achète un adaptateur USB. Bah, c'est vraiment pas un adaptateur USB. Alors déjà, c'est un truc de USB. Alors c'est un boîtier qu'on peut mettre plusieurs USB. Parce que vous savez pourquoi j'achète ça? Parce que gars, j'ai plus de place USB sur mon PC actuellement. Là, je suis au maximum. J'ai mon micro, j'ai mon clavier, j'ai toutes sortes. Et en plus, ma manette, je peux pas brancher mon truc. Donc j'essaie de prendre avec 4 ou 5 plus. Donc prendre 4-5 ports en plus de USB. Ça va être vachement pratique parce que voilà, parce que moi, c'est vu que j'ai branché ma manette. Moi, ça, là, c'est tout à l'arrière, j'ai deux devant, et après, le seul, c'est à l'arrière. Mais là, il y a vraiment un bordel de câbles. Il faut vraiment que je revienne à Noël parce que c'est vraiment un vrai bordel où il y a le PC. C'est emmêlé. Je vous dis pas le bazar, hein. Quoi, dans un PC normal, c'est la même chose. Chez vous, ça doit être un peu pareil. C'est emmêlé. Les pires, c'est des trucs gamers. Vous avez encore plus de câbles qu'un PC parce que. Voilà, il y a plus de câbles. Et même là, je vais obligé d'acheter un adaptateur parce qu'il n'y a pas assez d'USB sur un PC. Donc, moi, ça se connecte parce que voilà, ça coûterait 10€. Donc ça c'était un. Franchement les gars, c'est déjà les gars, on est déjà pas mal de cadeaux, je crois qu'on est déjà à 5-6. Et aussi j'ai essayé d'acheter. Alors déjà aussi j'ai acheté Tourist Bus Simulator. Alors n'hésitez pas à suivre les lives aussi. Ça je vais acheter sur Steam, je vais juste prendre un DLC. Ah non je crois que je vais tout payer, ça va me coûter 50€. Mais franchement, c'est vraiment un beau truc et tout, mais vraiment voilà. Mais je vais essayer de prendre. Je pense que pour le tapis de souris, je vais essayer de le payer. Et voilà, le tapis de souris et puis mon adaptateur USB, je vais essayer de payer deux cadeaux. Donc le reste, je vais les rembourser après. Je vais les rembourser, ça fera un peu 20€. Oui, aussi, moi je vais payer un autre jeu aussi. Ou quoique, quoique. Et voilà, et aussi, peut-être je vais prendre une grosse batterie aussi. Une grosse batterie, peut-être j'ai dit ça, ça va peut-être pas tout. Une grosse batterie, une plus grosse batterie pour faire mes vlogs parce que normalement, déjà, c'est une ancienne câble. De merde là, les anciens câbles, et j'ai peur qu'on en a plus. Aussi, déjà les gars, j'ai commandé mes lumières de vélo. Alors les gars, mercredi, vidéo unboxing, je vous vends une vidéo unboxing des lumières et on les installera et on les montrera les autres. Parce que les autres, ils vont savoir, les autres, on va savoir si je peux mettre deux phares à l'avant et peut-être deux phares à l'arrière, mais franchement, ça peut être voir si je mets plus de lumière dessus, déjà dans ce vélo là, parce que déjà les autres sont assez anciens. Je suis ancien, et puis voilà. Voilà, voilà, donc j'ai plus grosse batterie. Et aussi, les gars, je vais essayer d'acheter le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2020 sur la Nintendo Switch. Alors, voilà, on prend un peu de Switch, un peu, et puis, c'est tout. Donc, les gars, je vais switcher cette année. Là, pour ce Noël, et puis les prochaines, ça va être acheter un nouveau écran. Alors, déjà, les prochaines, Noël prochain, ce que je veux savoir en 2020, c'est d'acheter. Qu'est-ce que je vais acheter? Eh ben, je vais acheter. Comment vous dire? Je vais acheter. Acheter un nouvel écran PC parce que c'est vrai que j'ai deux écrans et bien je vais essayer de passer sur trois écrans. Alors, vous allez dire, mais pourquoi trois écrans? Déjà pour le 1 pour l'OBS, deuxième écran pour le live et troisième écran pour jouer. Je vais prendre un écran soit 4K ou 1080. De toute façon, je vais attendre l'année prochaine. Je pense que je vais prendre un écran 4K. Ça va faire bizarre. Et basé déjà sur un écran 4K. De toute façon, je vais bien attendre la fibre pour avoir une meilleure connexion, meilleur live. Et voilà. Et en tout cas, bah, faut que j'attende vraiment la fibre. Et après, de faire des lives en streaming en 4K. Ce serait vraiment mes rêves de live en 4K. Faire mes vidéos en 4K. Parce que
Si c'est de faire de la vidéo en 4K. Là, en 1080p, c'est le maximum que je peux. Sinon, je peux pas me taper sur de la 4K. C'est impossible, connexion elle n'aura pas. Mon téléphone, je sais pas comment il fait pour faire vraiment de la 4K. C'est pour ça qu'on a une connexion pas ouf. Mais pour faire la 4K, j'attendrai voir. Mais voilà. Mais la 4K, ce sera plutôt pour 2021 que je testerai. Parce que, en tout cas, 2021, YouTube, ça va être obligatoire d'ici le prochain mois. Dans les prochaines années, ça va être obligatoire de faire des vidéos. Faut que les téléphones, déjà, faut que les téléphones, il faut qu'ils soient en 4K. Voilà, faut que ça soit tout en 4K. Faut que ça soit en 4K, vraiment, relève. Mais de quoi, le téléphone, c'est 720 ou 1080p pour l'instant. C'est un peu compliqué de composer de la 4K. Ok les gars, merci à vous d'avoir fait cette vidéo, merci à Canis Sosor. Et ça n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Et à la sorte, avant qu'on arrête cette vidéo, activez bien les cloches de notification. Comme l'église, moi l'église va sonner, on a activé une petite cloche. Ting. Voilà, les cloches, voilà. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Vous abonnez, vous mettez abonné et activez la cloche. Ok les gars, voilà, c'est gagné, ça c'est la kiff de la chaîne. Et à bientôt, ciao.